Bonsoir, bonsoir. Eh bien, c'est le moment tant attendu, celui de remettre ce magnifique trophée, le Bleuet d'or. Alors, je vois qu'il y a des gens anxieux dans la salle, on va y aller sans plus tarder. La gagnante du Bleuet d'or pour l'ensemble de son œuvre et l'inauguration de son musée, la mère d'un de nos célèbres joueurs de hockey, j'ai nommé Madame Tremblay. Bravo, Madame Tremblay, on l'applaudit bien fort. Qu'est-ce que ça fait quand on gagne une distinction aussi importante que celle du Bleuet d'or? Première mai, ça fait chaud au cœur. Et vous dites pas mal, hein, les jambes chèques, là. Ah oui, pendant que j'y pense, je t'en vais amener un petit cadeau au cas où je gagne la soirée. Ah, bien, je vous remercie beaucoup, Seigneur. Des cretons. Ouais. Ça se donne bien. Mais c'est des cretons que vous avez achetés à l'épicerie, il y a une étiquette ici? Ben, oui, ça fait des cretons, ouais. Je vous remercie quand même, Mme Tremblay. Mais je vous écoute parler, là. Vous avez le même accent que Mario. Non. Mario, il n'y en a pas d'accent. Je le sais, c'est moi qui ai donné des cours de diction. Ça a dû vous demander un travail énorme, ça. Non, pas vraiment, parce que j'avais la méthode du crayon dans la bouche. Pardon? T'as pas l'air à comprendre, là. Je vais te donner un petit exemple, là, ben. Cinq chalopes rôles ont chaviré au lac Saint-Jean. Là, tu l'as à l'air, cinq chalopes rôles ont chaviré au lac Saint-Jean, puis t'as plus d'accent. Et vous avez gagné ce trophée-là pour l'ensemble de votre œuvre. Qu'est-ce que c'est exactement? Effectivement, l'ensemble de mon œuvre, ben, j'ai fait Mario, je l'ai coaché, j'ai gagné une médaille aussi pour la traversée du lac Saint-Jean. Vous avez traversé le lac Saint-Jean, vous? Oui, oui, aller-retour en plus. Ben, j'avais pas de lift pour revenir, fait que... En tout cas, ce soir-là, j'ai bien dormi. S'il vous plaît. D'accord, on va parler de sport, si vous le voulez bien. Foot. Qu'est-ce que vous pensez de la recrudescence phénoménale des blessures causées par l'effet d'imitation des professionnels par les jeunes? Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène psychosociologique ou simplement un effet d'imitation des masses médias? Articule quand tu vas! Absolument rien compris là-dedans, moi, là. Pose-moi donc des questions intelligentes à la place, là. Des questions sur mon musée, tiens. Ah, ben d'accord, mon Dieu. Qu'est-ce que vous allez exposer là-dedans, tiens? Pas mal de sortes d'affaires. Ben, j'ai justement amené quelques petits exemples, histoire d'attirer un petit peu la clientèle allemande, hein? Tiens, moi, c'est un peu, toi. Pareil comme ça, ici, c'est le premier biberon que mon Mario utilisait. Avec la petite suce au bout, là. Seigneur, il buvait tout ça? Ben non, c'est un joueur de hockey, hein, il recrachait le toit encore. ramenez aussi un enregistrement de la première poque que mon Mario a lancé. Bon, vous le faites écouter, c'est très émouvant. Dans vite chez nous, hein. Il n'est pas enregistré la première claque qu'il a reçue, par exemple. Puis c'est, ben c'est son petit couteau puis sa petite fourchette, hein? Tout épais sécuritaire, là. Que c'est cute, Mme Tremblay. Ah, c'est cute, mais c'est pas mal moins le fun quand il nous snappait un cocon dans le front, ben genre. Alors, je vous remercie beaucoup, Mme Tremblay, d'être venue chercher ce trophée-là. Prends pas une aide, toi, c'est fini. Emmenez des assiettes aussi, avec des pensées écrites dessus, ça, c'est pour accrocher au mur de la cuisine. C'est des genres de pensées philosophiques que j'ai composées moi-même. Je peux bien vous en lire quelques-unes. Ça a l'air à vous tenter d'abord. En tout cas, ça va comme suit. Si l'amour rend aveugle, c'est pas une raison de me piler ses pieds. C'est pas si vous la comprenez, mais profonde, celle-là, hein? Il y a aussi, dans le Woolco de la vie, tu vas pas nulle part avec une pièce 44. Un peu ma préférée, c'est... Après la pluie, viens ramasser les verres. Alors, je vous remercie beaucoup, Mme Tremblay, d'être venue chercher ce trophée-là et j'espère vraiment que l'enfant. Excuse-moi, mais c'est parce que c'est moi qui te remercie parce que j'aurai un petit message à faire, s'il te plaît. Dégage. Excuse-moi. Bon, ben, étant donné que ce soir, on reçoit notre 200 millième spectateur, j'ai pensé lui remettre un prix. Alors, voici maintenant le nom de ce 200 millième spectateur. C'est peut-être vous, peut-être vous.
Vous aussi. On sait jamais. Alors, il s'agit de... Monsieur Maurice Caillé. On l'applaudit, Maurice Caillé, commandant. Maurice Caillé, il est là, il est là, là. Allez, il est venu. Ça fait du chaud au cœur. Oui, ça fait chaud au cœur. Ah, les jambes, t'as crié-tu? On n'a pas donné de bec, excusez-nous. Bon, alors, c'est très émouvant, hein, oui. Maurice? Voyons, tu pleurais. Non, 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 pleure pas. Rien, OK, correct. Alors, voici ton prix, mon cher Maurice. Oh. Il s'agit d'une réplique conforme de mon bleuet d'or. Ça, c'est la grosseur exacte d'un bleuet du lac, ça, Maurice. Oh, ben, okay, merci, belle. Quatre tartes avec ça, hein? Content. Prends pas le plancher, quand même, là. Et de plus, mon cher Maurice, tu te mérites un magnifique billet de mini. Alors, je suis un petit peu gêné parce que j'ai pas le temps d'aller l'acheter. Fait que moi, te donner le 50e, tu iras pas mal. OK! Pas de lunettes.
du ménage. Ronche, ça. Elle m'aide pas, parce que je ramasse pas. Pas peu d'engraisser, manger de même, elle se cache pour manger. Ben, hypocrite, mais vite, mais vite. Une femme vénéreuse pour sa grosseur. Elle doit bien poigner le 300 livres, là. Ah, ben, c'est par monte en même temps que le prix des loyers. À 5 pour ça, par année, dans 10 ans, on va péter le 500. Et que je suis pas fine, ouais. Ben ouais, mais je suis tombée méchante, donc. Bon, ben après, toi, c'est pas de ma faute, c'est la grosse. Car, la perrotte qui prend son bain. Ben, c'est rare, ça. Mon Dieu, elle a de la mousse jusqu'au cou, jusqu'à aller avec les chandelles sur le bord du bain, la musique. Triple la perrotte. Oh, le dégodeau.
je prenne encore juste 2 minutes. Parce que j'ai ajouté des lettres de référence à mon curriculum vitae. Des fois qu'il y aurait des employeurs dans la salle. À qui de droit? J'ai engagé Daniel Bouchard pour faire fuir les oiseaux dans mon jardin. Même après son départ, les oiseaux ne viennent même plus. J'en ai une autre. À qui de droit? Par la présente, je certifie que Daniel Bouchard est une personne fière, honnête, responsable et enjouée. Son grand sens des responsabilités et son leadership feront de lui un élément indispensable au bon fonctionnement de votre entreprise. Engager Daniel Bouchard, c'est l'adopter. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait la signer, celle-là? Ça va, vous autres? Ça va? Ben, c'est le fun! Saviez-vous qu'à l'intérieur de nous, on est tous beaux? Toi, t'es beau en dedans, toi, t'es belle en dedans, puis toi, t'es beau tout court. Ben non, c'est pas vrai. On est tous beaux en dedans, mais on a tous un petit côté de nous autres qui est moins beau. C'est ce que j'appelle notre dépotoir intérieur. Puis si ça vous tente ce soir, on va sortir les poubelles. Tout d'abord, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ma démarche, mon nom est Danny Verveine. Verveine, vert comme dans écologie, nature, plein air. Et veine comme avoir de la veine d'être chanceux. Donc Verveine, chanceux de vivre en harmonie avec la nature. C'est cute, hein? Cette année, j'ai travaillé beaucoup le geste et le cri. Je suis rendue pas mal loin dans mon trip. Mais tout ce que je vais vous dire ce soir, c'est des petits trucs. Vous les prenez ou vous les prenez pas. Si vous voulez pas les prendre, ben, allez nous attendre dans le char. Est-ce qu'il y en a ici ce soir dans la salle qui ont le moton? Le moton. Ben, si vous voulez ensemble, on va se travailler le moton. On est tous des prestos trop pleins de pression, puis un jour, notre petite capuche va exploser, puis notre moton va se ramasser dans le plafond. C'est une belle image, hein? Tout à l'heure, j'ai parlé d'un dépotoir. Qu'est-ce qu'on met dans ce dépotoir-là? On met nos craintes, nos doutes, notre agressivité, tout ce qui est négatif. On laisse ça à l'intérieur de nous, puis on touche jamais à ça. Ben, ce soir, on va sortir les poubelles. Faut se dépêcher, le troc passe à moins quart. Tout d'abord, j'ai ici un sac. C'est un sac de quoi, ça? Bravo! La technique que je privilégie, c'est le cri primal. Connaissez-vous ça, le cri primal? Le cri primal, c'est le premier cri qu'on fait. C'est un cri de primate, ça. Le cri primal, c'est le premier cri qu'on fait quand on est petit bébé, puis que le docteur nous donne une claque ses fesses à notre naissance. Ce soir, on est plus vieux, on va se donner des coups de pied. Maintenant, on va prendre ensemble de très grandes respirations. On expire. On inspire. Respirez comme vous voulez. Faut que je vous entende respirer. Respirez. Respirez. OK. Il y en a qu'on aimerait qu'ils arrêtent de respirer, hein?
attendre dans le char. Ben non, t'acceptes. Je t'aime. Mais tais-toi. En tout cas, il y en a des enclos ici, hein? Le dépotoir. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez, le piton collé. C'est pas assez fort. Avoir su, je serais venu juste avec un baggy. C'est rien, j'ai une tente en arrière. Il faut que ça sorte plus que ça. Il faut que vous me fassiez lever les cheveux. OK. Deuxième tentative, dans un décompte de 3 maintenant. Pourquoi 3? Parce que c'est moins lent. OK. Comment va la vache qui rit? Tu peux te mettre au chemin, hein? OK. Respiration. Maintenant, le premier problème de notre nouvelle vie, qui va mettre les poubelles au chemin? Puis je pense à ça, s'il y a un chien qui fouille dans le sac, il va te faire un méchant saut. C'est une technique que vous pouvez pratiquer à tous les jours. Ça réveille le corps, le cœur, l'esprit, les voisins. Mais ça fait du bien. Avant de vous quitter, la deuxième étape de la thérapie, c'est une phrase sur laquelle j'aimerais que vous méditiez. C'est moi qui l'ai écrite et je l'aime beaucoup. La Terre est une immense balle de bolo. Une grosse balle de bolo. Malheureusement, l'homme est en train de couper l'élastique. J'étais obligée de prendre un congé maladie à cause de mon déménagement. Oh, moi, là, quand les déménageurs ont soulevé le frigidaire, j'ai perdu connaissance. Ah. À ce temps-là, je reste dans un 1,5. C'est pas mal trop grand, mais il paraît qu'il se fait pas de 3/4. Ah. J'aurais mieux aimé prendre ça plus petit parce que c'est trop dangereux de faire du ménage chez nous. La dernière fois que j'ai passé l'aspirateur, là, je suis restée collée 3 heures après le tube. Oh. Oh. Une chance qu'il y ait une panne de courant, je serai encore là, je pense. Bonsoir et bienvenue au royaume des animaux. Cette semaine, mon équipe de chercheurs et moi nous sommes penchés sur une race en voie d'extinction. Le couple stable d'Amérique du Nord. Depuis l'avènement de la race humaine, celle-ci cherche tant bien que mal à former des troupeaux de 2. Le couple d'un mois, d'un an ou d'un soir n'est pas chose rare. Mais le véritable couple stable, celui de 5, 10, 15 et même 20 ans, n'appartient désormais qu'aux albums de photos. Notre première pénétration de la jungle urbaine a été effectuée par Bill Brown de l'Université de l'Ohio. Afin de les appâter, Bill a installé pour nous des cages d'observation en bordure de points d'eau. Ces points d'eau sont appelés barres.
Bill a placé des caméras à la vue de tous et posé une affiche disant « Agence de rencontre par vidéo gratuit ». Ils ont mordu. Voici donc les trois vidéos que nous avons retenues. Salut. Je me présente comme étant Audrey. J'ai environ 25 ans et le pourquoi que je suis ici, ben, c'est que j'aimerais bien devenir un couple. Avec une autre personne. De préférence, un homme entre 38 et 39 ans. Mon signe astrologique, c'est le taureau rat, donc tu devrais être poisson singe ascendant serpent bélier, puis fais-toi-en pas, mon frère vétérinaire. Comme tu peux le constater, j'ai un très bon sens de l'humour. Habituellement, quand je parle, la monde rise. Le seul sport que je pratique, ben, c'est les pichenottes. Toi, maintenant, tu ne devras pas être barbu, moustachu ni poilu. Parce que moi, faire, ça ne me tente pas. Par contre, la couleur de tes cheveux, ça ne me dérange pas. Au pire, allez, ça se peint. En autant que t'en es. Donc, sans qu'on a des atomes crochus, toi et moi, ben, appelle au plus vite avant qu'ils décrochissent. Ah oui, présentement, je suis pas vraiment disponible. J'ai un choix. Mais dépendamment de ce que t'as l'air, je m'en débarrasse. En résumé, tu devrais être beau, intelligent, fier, honnête, doux, compréhensif ou médecin. Bonjour, moi mon nom c'est Paul Desmarais Junior, je me cherche une compagne. Une compagne qui devra être absolument sincère, ok? Le reste n'en a pas d'importance, je vais te prendre comme tu vas être, pour ce que t'as en dedans de toi. Moi de mon côté, ben, je suis un grand sportif, je suis ceinture noire en karaté et cordon bleu en alimentation. Écoute, je prends pas de drogue, je fume pas, je bois pas, puis je lève mon bain de toilette quand je fais pipi. Ce que j'aimerais le plus dans la vie, ben, ce serait tout simplement te jouer dans les cheveux en te parlant de mes sentiments. Je suis capable de pleurer si tu veux. En ce qui concerne maintenant les relations sexuelles, eh bien, on va y aller à ton rythme. J'aime autant te prévenir tout de suite, par exemple. Moi, je fais pas le sexe, je fais l'amour. Faire l'amour, pour moi, ça veut dire te caresser pendant des heures et des heures en te disant des mots doux. Faire l'amour, pour moi, ça veut dire te donner beaucoup de tendresse en te répétant 100 fois « Je t'aime » dans le creux de l'oreille. Mais faire l'amour, c'est surtout un orgasme pour moi, 4 pour toi. Moi, mon nom, c'est Tania. J'espère que ça va bien, toi. Moi, c'est Carlos. Comme tu vois, on est deux. Puis, on cherche un couple pour partager nos loisirs. Nous autres, on serait intéressés à... Oh, on serait très intéressés. On aime le camping. Sauvage. Les miroirs. Au plafond. On aime se mettre plein de crème partout. Puis la fouetter. Si jamais t'as besoin de nous autres, donne-nous un petit coup de fil. C'est facile à retenir. 1-800. Nous avons donc voulu savoir ce que le couple tape pensait du bonheur. À cet effet, j'ai donc décidé de rencontrer pour vous l'un de ces couples stables. Une chanson italienne. Bruno et Louisette, à
Après 20 ans de vie commune, pouvez-vous nous définir le bonheur? Oh non, un témoin de Jéhovah. Oh, le bonheur. Le bonheur... ça serait pas quand on est heureux, ça? Soyons sérieux, parlons d'argent. Est-ce que c'est important pour vous, l'argent? Bon, on paye toutes nos factures, si c'est ça que vous voulez savoir, là. Très bien répondu, Louisette. Tiens, c'est ça, le bonheur. Le bonheur, c'est payer ses factures. Ouais. Comme ce mois-ci, on était beaucoup heureux parce qu'on a payé beaucoup de factures. Ouais. Et le partage des tâches, comment vous y prenez-vous? Oh, ben, ça va très bien de ce côté-là, hein? Ah oui. Moi, de mon côté, je fais le ménage, le lavage, je fais à manger. Et vous, Louisette? Rien, j'aime pas ça. Ça ne dit rien, Bruno. On sait que vous avez deux enfants. Est-ce que vous prévoyez en avoir d'autres? Non. Pas question. Non. Ben, c'est pour ça que Louisette s'est faite législaturer. Bruno, on dit légature, Bruno. En tout cas, c'est légal. Mais dites-moi, comment vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés tout à fait par hasard dans un cours de préparation mariage. Louise. Parlez-nous maintenant de vos loisirs. C'est pas compliqué, hein. On lit puis on joue des tours, c'est tout. Moi, dans mes passe-temps, je fais relier nos TV hebdo. Ouais. C'est en même temps notre agenda, ça. Comme moi, j'arrive toujours de travailler pour les nouvelles de 4 saisons, hein. C'est ça. Puis on mange toujours après action-réaction. On fait la vaisselle après chérie Marie. Puis, on fait l'amour à ad lib moins quart. Mais on a fini pour le téléjournal. Touche à mon air de chien, ici. Goûte-toi, y a de moins corps. Mais non, vachement, veux-tu bien? Afin de terminer notre étude, nous avons voulu en savoir un peu plus long sur la période de Ruth du couple stable. À cet effet, j'ai gardé chez moi, sous observation, un couple pendant 2 semaines. Je me suis installé sur le coin du lit et je les ai observés. Il ne s'est rien passé. C'est donc dire que le couple stable ne se reproduit pas en captivité. Nous sommes donc retournés dans la jungle urbaine afin de terminer notre étude et cette fois-ci, nous avons réussi. Voici donc, pour la première fois à l'écran, à l'aide de notre caméra de 500 000 $, du plus près que nous ayons pu nous approcher, une relation sexuelle complète entre 2 individus. Nous vous laisserons donc sur ces images de notre caméra dispendieuse. Bonsoir. Thank you.
je voulais faire entendre, vous allez voir. Poum, poum. Poum, poum. C'est dangereux pour la crise cardiaque, ça. En tout cas, quand je porte bien. Excusez-moi, vous avez dû faire un moyen son, hein? Parce que j'étais en train de repenser que j'étais en vacances de maladie. Oh. Je travaille pas la semaine prochaine. Oh. Oh. Est-ce que vous savez c'est quoi mon travail dans la construction? Je cogne des clous. Oh, 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 oh. Oh, le fou rire que j'ai pogné là. Oh. Arrêtez! La bonsoir va me décrocher. Je suis capable. En attendant de trouver d'autres choses. Mon nom de clown, c'est Patachou. Maudit que c'est niaiseux. Est-ce qu'il y en a un qui sait sa fête? Oui, c'est quoi son nom? Liette. Oui. Ben, c'est ta fête. Le lastic me fait mal. Puis le nez me coule dedans. T'es-tu prête, Liette? T'es-tu prête? Oui. Ben, t'es bien chanceuse. Liette, Liette, Liette. Je pense que j'aime autant Patachou. Ben non, c'est pas ta faute. Bon, ben, je vais faire ma job pour une fois j'en ai une. Ma chère Liette, c'est à ton tour de te laisser. Maudite gang de scab, pour une fois que j'ai une job, laissez-moi là. Keep the ball.
Je vais parler plus tard.